Bonsoir Moussa. Oui, bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Comment t'appelles? C'est Moussa Diakité. Moussa Diakité. Ouais. Tu joues quel poste à l'ASCO? Milieu défensif. Ok, d'accord. Moussa, je vais vous poser quelques questions. Ouais. Comment avez-vous vécu le mondial? Bon, le mondial, ça a été bien passé. C'est bien passé. On a fait une bonne Coupe du Monde. Ok. Qui sont les joueurs avec lesquels vous vous attendez le mieux? Bon, comme il y a Boubacar Traoré, il y a Jacques Bakayoko Château, et Sidiki Maïla. Ok. Quels sont vos rapports avec le coach? Bon, vraiment, nos coachs, on s'approche très bien à nos coachs, voilà, parce que si on a quelque chose qui est très difficile pour nous, on lui demande vraiment, il nous donne des conseils. Quels sont vos meilleurs souvenirs? Notre meilleur souvenir, comme ça, c'est peut-être nos médailles et l'accueillement de notre unité, la sportive de Chili. Comment avez-vous vécu l'accueil au Mali? C'était très beau. On a vu beaucoup de gens à l'aéroport. Les gens nous ont vraiment soutenus aussi. Si vous deviez changer, si vous deviez donner un conseil à la prochaine génération des cadets, que serait-il là? D'être très concentré, travailler dur, avoir courage, tout. Tout ce que je veux dire. Votre vie a-t-elle changé depuis cette belle époque d'un point de vue national? Car vous avez été reçu par Sa Majesté Ibrahim Boubacar Keïta et les plus hautes autorités de l'État qui vous ont honoré à titre national. Si votre vie a changé, votre Notre vie a vraiment changé. Parce qu'on était le champion d'Afrique et après vice-champion du monde. C'est vraiment, les gens nous ont vraiment soutenus aussi, ça fait. Et puis les gens nous avaient joué. Tout le monde nous félicite aussi. Notre vie a vraiment changé. Si on devrait rejouer la finale de la Coupe du Monde, que changerez-vous? Bon, pour moi quand même, on ne changerait rien. C'était la fatigue seulement qui nous a fait mal à la finale. La fatigue, hein? La fatigue. Quelle équipe ou bien quel joueur vous ont le plus impressionné? À la Coupe du Monde. Oui. Bon. Peut-être Osimhen. Pensez-vous être prêt à jouer comme pro dans un club européen? Oui. Tu penses? Oui. Dans quel club ou dans quel championnat rêvez-vous d'aller? Bon, championnat belgique ou Angleterre. Belge ou bien Angleterre. Quels joueurs sont vos modèles, qui sont maliens ou mondiaux? Bon, peut-être Mouadou Diaradjila. Avez-vous regardé les moins de 23? Oui. Qu'a-t-il manqué pour qu'il aille plus loin? Bon. Ça peut être. Ils n'ont pas eu la chance. Allez-vous supporter le Mali à la CHAN? Oui. Peuvent-ils gagner? Bien sûr, pourquoi pas, ils ne peuvent pas amener la Coupe même au Mali. Merci Moussa.